إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاغن إسلام إسراغن إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تغادي إرمي السماء بطنيا الله سبحانه وتعالى celui qui passe au faveur et sous permission certainement lui peut permettre nous pour qui nous débite une série d'explications qui nous fait mettre un target de 3 mois, Inch'Allah, veut dire avec le thème l'importance, vertu et comment vivre en jamaat. Alors, peut-être un djimoun capable de penser, mais qui n'a pas à prendre pendant 3 mois concernant comment vivre comme un frère. Parce que Djimoun fait une croix qui, comment dire, vivre comme frère veut dire, me causer rien avec toi, me manger bois avec toi, ça m'appelle vivre comme frère. Mais nous devons faire la différence entre al-ukhuwa al-islamiyya avec al-ukhuwa qui, l'eau la langue Djimoun, al-awam. C'est des choses différentes. Sinon, ben là, tu peux gagner raison pour dire qu'il y a un musulman, un raciste, quand je ne suis pas d'accord, qui, pour dire un musulman, il est frère avec un non-musulman. Ben là, tu peux gagner raison. Si la fraternité, les tchikouma djimoun, ils ne comprennent pas. Mais la fraternité, il n'est pas ce qui djimoun, il ne comprend, il n'est pas ce qui djimoun, des croix appellent la fraternité. Et ce n'est pas sa fraternité-là qui nous peut dire vis à apprendre. C'est la fraternité comment Allah subhanahu wa ta'ala fait nous préconiser. Donc, nous pouvons apprendre, Inch'Allah, sur l'importance qui se hukm. Est-ce qu'il est optionnel, ça? Molib, moi envie de dire toi, moi envie que vivre comme un frère avec toi, mon vivre. Vous pas envie vivre comme un frère avec toi, mon libre. Non. Est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'il est obligatoire? Ce vertu, qui fait un besoin vivre comme ban frère? Qui fait un ban musulman, je besoin vivre dans la fraternité? Qui profite? Un groupe du monde vivre comme ban frère? Qui profite et n'a là-dedans? Comment ils profitent nous? Individuellement. Comment ils profitent nous? Collectivement. Et vivre comme mon frère veut dire bizarre, apprendre à vivre comme mon frère. Parce que qui fait vivre comme mon frère, c'est qui te gagne droit à faire, qui te pas gagne droit à faire. Personne pas ni connaissaire de qui gagne droit à faire envers ton frère, qui pas gagne droit à faire envers ton frère. À cause de ça même, bizarre, apprendre. Et je dis, si nous n'avons pas pu trouver sa fraternité là. Peut-être un djimoun peut penser, nous peut exagérer. Ou bien un djimoun capable de dire, mais zot qui peut en vivre comme mon frère, zot qui crée division avec zot manhaj, avec zot akida, zot qui crée division, nous vivons comme mon frère, tout un seul. Mais, Inch'Allah, à la lumière de sa l'étude là, mon frère et mon soeur, on aura une lit et
de manière professionnelle, mais nous dire pour qui aussi vous connaissez, dans qui vous pouvez dépenser le temps, dans qui vous pouvez faire sacrifice. Alors, nous pouvons faire un devoir, mais dire pas faire divine causerie. Nous pouvons faire un devoir, pas faire divine wise. Nous dire il y a un cours, il y a une leçon, il y a une dars. Alors, donc nous pour tout ce qui vous tendez, ou présence est important, ensemble avec présence, ben connaissance là, ou gagne en écrit, ou capable, maîtrise connaissance là, parce qu'il y a prena. Après ça, la responsabilité pour le propager. Au prena la responsabilité, mais dire pour le propager. Mais avant de propager, on a le devoir de comprendre comment bien. Et on a aussi le devoir de appliquer dans la vie. Appliquer déjà les points de l'enseignement. Nous appliquons la fraternité islamique selon le Coran et la Sunna pour nous donner l'exemple, pour nous faire preuve qu'appelle la fraternité islamique. Et en passant, permettez-moi de vous dire, bon frère et bonne sœur, nous, l'objectif, c'est de tout connaître qui nous pèse de base. Hein, ça laissons là. Nous pèse de base, oui. Et nous te dis, nous commençons pas, nous laissons pour les poulots, ahkam ou le masajid. Mais c'est ça l'avantage quand on a une shura. C'est ça l'avantage quand il y a une consultation. Alors, comme au fin propose le thème à shura, à ban frère, alors, finina. Bon conseil, finena, bon frère, fin donne de l'opinion. Alhamdulillah, nous fin trouve meilleur commence par ça. Topic là. Qui fait, hein? Bon frère et bonne sœur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si comment dire, tant li bien. Si comment dire, je te peux croire, qui, nous l'objectif saisisse, rends un bâtiment, donne à Saint-Clair, après, nous vîmes pareil comme à tous les autres. Nous pour roulons nos masjids pareil comme à tous les autres. Nous pour fréquentons nos masjids pareil comme à tous les autres. Mais dire avec tout, bonne mentalité, bonne l'ignorance surtout, sans qui comment dire nous pour gagner la peine. Veut dire, mettre, faire revivre sunna pour commencer, plus important. Qui, comment dire, fait revivre sunna dans l'infrastructure, c'est les plis importants qui sa diamant là. Nous avons un diamant qui est composé de mon frère, qui nous caractère, nous comportement, l'ilo sunna. Avec ça, Inch'Allah, nous sommes capables de donner l'exemple d'un masjid idéal. Avec ça, Inch'Allah, nous pouvons capables de donner l'exemple d'un masjid idéal. Mais sinon, vraiment, ben là, pour gagner raison, dire qu'il nous fait division dans l'endroit. Sinon, ben là, pour gagner raison, dire nous fait division dans l'endroit. Donc, comprends ça, c'est important. À cause de ça même qui, ne peut pas, ça, la peine, veut dire, les formes parties, vous pouvez presser pas le pape coup de pios, ça fondation ça. Et n'a dit mon, peut-être les papes trouvent l'importance vint dans sa leçon là. Seulement demain, comment vous dire, incorrect, nous allons nettoyer là. Les pour prendre pios, les pour prendre camion, les pour prendre tous les bouvini là. Ils peuvent trouver ça là-bas, là, bien important là. Non, vous pouvez faire erreur. Vous pouvez faire erreur. Apprendre comment vivre en diamant, les formes parties dans fondation. Ça masjid qui sa diamant là pour rouler. Bon frère, bonne sœur, prévu la qui était. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentre dans Madina, il quitte Makkah, il fait hijra, il vient dans Madina. Dans Madina, il est pour bâtir l'État islamique. Il est pour bâtir l'État islamique. L'État islamique, tant qu'il nous peut dire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il commence par qui était parmi les priorités Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans Madina qui était.
c'était al-ukhuwa, mettre fondation de ce qu'appelle la fraternité islamique. Mais dire fait sa groupe d'immun là debout en bas de les pieds, leur une base qui appelle la fraternité islamique, c'est leur sa fraternité là qui masjid fin bâtir, qui l'état islamique fin bâtir, la dawla al-islamia fin debout. Et c'est de là qui au fin trouve qui ban là le fin fait succès qui se fin capable qui se fin qui l'histoire fin témoigne. Pas sous-estime ça élément-là, mon frère et ma sœur. Pas sous-estime ça élément-là. Avant tout, à la lumière du Coran et Sunna, comment nous pouvons apprendre. Et deuxième, ensuite, vienne-nous l'expérience. Ensuite, vienne-nous l'expérience. Alhamdulillah, l'organisation Al-Huda wa Nour, c'est pas premier masjid qui les voit le ranger dans un endroit. Avec ça, l'expérience-là, Alhamdulillah. Donc, nous pouvons conseiller, nous finissons trouver-les. Meilleur, mais dire, commence, mais dire, la base de sa masjid-là, l'osa l'enseignement-là. Mais dire, apprendre comment pour vivre comme ban frère dans un jamaat. Ban frère et ban sœur, pour aujourd'hui, nos premières sessions, l'importance de la fraternité. Toujours, alhamdulillah, nous mettons le target, lire, pas le contenu, ce qui nous est là. C'est qu'ils ont pu trouver dans handouts, veut dire, même je trouve les longs, pas veut dire, qui, comment dire, quand un handout ça, les 15 pas, ça veut dire dans ces champs-là, nous voulons d'après nous les temps. Nous faisons mettre nos targets, 40 à 50 minutes, inshallah, si le besoin est, pour prendre quelques minutes en plus, nous dire, inshallah, veut dire, nous pas pour dépasser, et les temps, inshallah, pour nous pas mettre difficulté l'eau personne. L'importance de la fraternité, mon frère et ma sœur, la fraternité, les faire beauté l'islam, les faire beauté l'islam manifester. La fraternité, elle est bon, vous pouvez dire, moi, je vais dire, dans ce handout, hein, n'importe qui ça, moi, mon Philippe prépare les sons là, mon Philippe envoie le responsable ici, alors n'importe qui s'en a qui, les sons là, les pour leur groupe et celui qui a envie de gagner, print out, alors vous êtes capable de contacter mon frère responsable ici, soit Jamil ou bien Arshad, je vais dire, pour je gagne, et je vais dire, une copie de je notes, inshallah. La fraternité, l'effet à beauté l'islam apparaît. L'islam, c'est un joli din. L'islam, c'est un din qui, jusqu'en bas non-musulmans, je guette la fraternité qui régnait entre bas musulmans, les tous autres l'équerre. L'effet à je trouve différence entre l'islam avec les autres religions. L'effet à je trouve la perfection dans le din Allah, subhanahu wa ta'ala. Les faits se trouvent la perfection de sa créateur, celui qui lit derrière sa fraternité islamique là, parce que c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala ça. C'est la fraternité islamique, c'est l'enseignement d'Allah. C'est l'enseignement Muhammadur Rasulullah, les divines ça. Les pas une affaire man-made ça. Les pas une affaire qui est fabriquée par un groupe du monde, par un parlement, par un gouvernement. C'est les divines ça. La fraternité islamique, c'est une petite chose qui est divine. Allah dit dans surah 49, ayat 10, innamal mu'minuna ikhwa. Et Allah, par ce sagesse qui peine à la limite, il met une condition, peine à sa fraternité, qui Allah ou l'est là, en déo iman. En déo iman, pour qui, dis-moi, vive comme ban vrai frère, l'eau la terre Allah, ban vrai frère, comme Allah ou l'est, iman une condition. Innamal mu'minuna ikhwa. Peine à fraternité, en déo iman. À cause ça même, à cause ça même, du moment qui, un ban djimoun pour appeler zot musulman, mais finit na défaillance dans zot iman. Finit na défaillance dans zot iman. Zot iman, il mélange avec kofre. Zot iman, il mélange avec nifat. La fraternité islamique, pas pour manifester. Beauté l'islam, pas pour manifester. Pas pour une l'unité. Et là même, nous pouvons dire, mais, l'islam enseigne fraternité, mais nous tous musulmans qui fait, nous pas capable de réaliser fraternité. Non. Nous tous nos musulmans, oui, nous pouvons dire nos musulmans, mais nos imans pas pareil. Nos imans pas pareil. Donc, sa iman qu'Allah peut dire pour qu'il nous vienne ban frère, sa fraternité islamique là, un iman pur qui n'a pas mélangé ni avec kufre, ni avec shirk, ni avec nifaq. Donc, innamal mu'minuna ikhwa, à l'occasion hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une khutbah
dans lequel l'étudier une jolie parole en adressant à Benjamin ya ayyuhannas ala inna rabbakum wahid, certainement je te rappelle unique, wa inna abakum wahid, zut papa, veut dire Adam alayhi salam, li ansel, ala la fadla li arabiyin ala a'jami, aucun arabe n'a peine préférence, l'eau est non-arabe, voilà li a'jamiyin ala arabiyin, non plus qui est non-arabe, li en a qui préférence, et l'eau est arabe, voilà li ahmar ala aswad, et non plus en, veut dire, en rouge, et liéna, préférence, l'eau, en noir, voilà aswad ala ahmar, non plus, en noir, liéna, préférence, l'eau, en rouge, illa bit taqwa, excepté, al-ahmar ici veut dire plutôt blanc, al-ahmar ici veut dire plutôt blanc, et excepté la préférence, li, c'est taqwa. Celui qui n'a plus beaucoup frayé d'Allah dans son équerre. Mon frère et ma soeur, mon rédia, je t'encore, nous pas d'un wise, alors, mon pour limitement avec ma noussous, mon pas prendre de trop beaucoup d'explications, ma noussous là, en je même, je t'ai assez clair. Alors, quand vous gagnez les temps, repasse le saban noussous là, le saban texte là, qu'il y ait le Coran, qu'il y ait hadith, rédia-li, dans saban texte là, il suffit, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole du prophète alayhi salatu salam, et n'a plus l'effet, l'équerre qui est moi, mon parole. Alors donc, nous vous limitons avec la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il nous donne maximum fawa'id, insha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dans un hadith dans Tirmidhi, al-muslim akhul muslim, le musulman, il est le frère d'un autre musulman. La yakhounuhu, get sa fraternité là. Get sa fraternité là. La yakhounuhu, qui appelle, veut dire, comment il manifestait sa fraternité là? Un musulman, il est le frère d'un autre musulman. La yakhounuhu, il n'a pas malhonnête envers lui. Wa la yakdhibuhu, il n'a pas cause mentir avec lui. Wa la yakhdhuluhu, il n'a pas abaissé lui. Veut dire, il n'a pas, la yakhdhuluhu, il n'a pas abandonné lui. Kullul muslimi ala al muslimi haram. Chaque musulman, les haram, un autre musulman, qui veut dire haram, ça veut dire ce musulman-là, ce l'honneur, ce richesse, ce disant, les sacrés, pour envers un autre musulman, ça veut dire les haram. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait mention, irduhu, ce l'honneur, maluhu, ce richesse, wadamuhu, ce disant, at-taqwa ha-huna, taqwa la feya d'Allah, il trouve là, bi-hasbim ri'in, il suffit qu'il y ait un individu, minashar, il fait une tombe dans le mal. Il suffit qu'il y ait un djimoun, une tombe dans le mal. An yahtaqira akhahul muslim. Qui les ridiculise ce frère musulman. Les fait bouffon avec ce frère musulman. Hadith dans Tirmidhi. Donc, mon frère et ma soeur, à travers la fraternité, beauté, l'islam, les manifester. Donc, il est important qu'il nous ait la fraternité pour nous faire beauté sa dîne là. Apparaît. Qui nous comprend pas sur les contraires. Tant qu'il nous n'a pas réalisé la fraternité, ça veut dire, nous n'a pas fait laisse, nous n'a pas donné l'occasion. En lui-même, il y a une da'wa. Aussi longtemps qu'il nous vive comme ban frère, nous peut faire une da'wa envers ban djimoun, qui pas fin gay sa dîne là. Quand je peux guette nous vivre comme ban frère, déjà c'est une invitation à sa dîne, veut dire à sa jolie dîne là. Ban frère et ban sœur, la fraternité lui préserve iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la tadkhuluna al-jannah, je t'n'a pas pour rentrer dans la jannah, hatta tu'minu aussi longtemps, que je t'n'a pas pour iman. Wa la tu'minu, et je t'n'a pas pour iman, hatta tahabbu, aussi longtemps que je t'n'a pas content l'un à l'autre. Awala adullukum ala shay'in, idha fa'altumuhu tahabbtum, est-ce que je t'n'a pas où les montrer, je t'n'a pas quitte chose qui, quand je t'pou fais ali, je t'pou gagne l'amour l'un à l'autre, je t'pou content l'un à l'autre. Afshu salam abaynakum, répand salam parmi eux. Répand salam parmi eux. Dans ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam relié al-ukhuwa avec al-iman. Alaqatu al-ukhuwa bil-iman. Veut dire relation entre la fraternité islamique avec iman. Ça montre nous sur l'importance. La fraternité islamique est reliée avec iman. Si tu n'as pas été capable de réaliser une bonne fraternité, et n'a problème dans ton iman. Si nous n'avons pas été capables de réaliser une bonne fraternité, et n'a défaillance dans nos imans.
Parce que la fraternité islamique est reliée avec l'Iman. Veut dire, à cause ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Zisman qui est dans l'Iman, veut dire, cet Iman correct qui pour capable réalise la fraternité islamique. La fraternité, veut dire, il préserve l'Iman, il aide nous pour préserver l'Iman. La fraternité, numéro 3, les gars d'Awa vivant. Les gars d'Awa vivant, bon frère et bonne sœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, il ne pas comprendre d'Awa. Les lignes croient d'Awa veut dire Zis. D'Awa veut dire Zis, faire les sons, faire causerie. Organise les sons, organise causerie. Djali, qui a tête colonne tolé mon petit fils? Dis-moi, mon parrain, moi. Quand ça tolé moi le col la fils, dis-moi, mon parrain, mon papa, personne, moi. Pour lui, ça d'Awa. Seulement, son relation avec son frère, laisse à désirer. Son relation avec son frère, laisse à désirer. Il n'y a pas de comprendre d'Awa, ça dit mon là. Il n'y a pas de comprendre qu'il appelle d'Awa. Qui fait opérance masjid? Est-ce qu'il y a opérance masjid juste pour faire 5 les namaz? Arrête pas l'aim. Arrête pas l'aim. Opérance masjid pour faire da'awa. Pour inviter du monde vers tawhid. Pour inviter du monde vers sunna. Le compréhension de ban salaf sa ummat là. Ça c'est da'awa. Mais ça da'awa là, mon frère et mon soeur. Pour God les vivants, bizarre fraternité. Bizarre fraternité. Sans sa fraternité là, veut dire da'awa limo. Da'awa limo. Si paye na fraternité entre Banjimoun, qui l'a la vérité, da'wa limo. Chers frères et chers sœurs, Allah peut dire dans Surah 9, ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat, ban zom croyant et ban madame croyante, ba'duhum awliya ou ba'd. Zot ban ami, zot ban supporter, zot ban allié, l'un à l'autre. Comprends ça, ban frère et ban sœur. Dans da'wa, nous bisez support l'un à l'autre. Dans da'wa, pena boye l'endroit. De da'wa pe la boye famille. De da'wa faudrait pas ena ban facteur racial. Ban facteur sectaire. Pas gain droit ena de da'wa. De da'wa nous pas cause en termes région. Nous pas cause en termes l'endroit. Nous pas cause en termes habitants. Da'wa nous cause en termes umma. Nous cause en termes umma, en termes communauté, en termes jamaat. Mais dire jamaat de la vérité li en sel li. Pena barrière, région pena barrière, l'endroit. Mais dire parce qu'il diamante de la vérité, il repose le tawhid. Tout musulman. Tawhid obligatoire, le tout musulman. Diamante de la vérité, il invite vers sunna. Alors tout musulman, bizarre adore Allah, le sunna. Donc pena aucune barrière. Pena, bizarre pena aucune barrière. Ban mu'min zom. Même ban madame. Ban mu'min zom. Ban mu'min, ban madame, ban croyante. Je ban allié, je ban supporter, un à l'autre. Ya'muruna bil ma'ruf, je t'ordonne le bien. Wa yanhauna 'anil munkar, je t'empêche le mal. Wa yuqimuna as-salat, je t'établis à la salat. Wa yu'tuna az-zakat, je donne zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, je t'obéis à Allah et son rasoul et son messager. Ulaika sabanla, sabanla, sayarhamuhum Allah. Allah pour déverser ce pitié, ce rahmat l'oban là. Inna Allah azizun hakim. Certainement Allah, les puissants et les sages. Donc, mon frère et mon soeur, je te pour véridique. Comprends bien? Je te pour véridique. Et ban là pour ban mentir. Si nous l'intention, c'est bâtir un masjid pour qu'il nous consolide nos ukhuwa. Si demain, quand masjid nous ouvre, à cause masjid, nous pouvons mal l'ennemi entre nous, nous pouvons commencer à avoir des problèmes entre nous, nous pouvons pas mentir, ben là, pour une bonne véridique. Nous pouvons pas mentir, ben là, pour une bonne véridique. Ben, qui tu peux dire, qui nous peut envie faire division dans l'endroit. Alors, guette qui te choisir. Est-ce qui te prouve, toi, comme véridique, ou bien mentir? Donc, si nous pour consolider nos fraternités, veut dire nous da'wa, les business à ukhuwa là, c'est ça ukhuwa là qui peut faire sa da'wa là, prospérer. Ça ukhuwa qui peut être, veut dire entre nous là, à travers sa masjid là, c'est ça ukhuwa là qui peut faire sa da'wa là, qui peut faire Allah subhanahu wa ta'ala mettre la réussite dans sa da'wa là. Numéro 4, la fraternité, les aide-nous pour corriger nos bonnes erreurs. Quand nous vivons comme bonnes frères, alors les là. Nous pour aider nous-mêmes, pour nous connaître nos bonnes erreurs et nous corriger nos bonnes erreurs.
Quand nous vivons en jamaat comme bon frère, alors nous pouvons trouver qui ne pouvons pas réaliser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abu Daoud. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Le mu'min, le croyant, li en miroir pour ce frère mu'min, akhul mu'min. Wal mu'min akhul mu'min. Le mu'min, li le frère de ce, d'un autre croyant. Yakuffu alayhi bay'atahu wa yahutuhu min wara'ihi. Li protège sur la ferme et li surveille pas derrière lui. Mon frère et ma soeur, alors, get dans une jama'a qui nous comprend la fraternité. Get la fraternité. Comment l'y être préservé, l'y régner. Mais dire le musulman, l'y le miroir d'un autre musulman. Alors donc, mais dire nous besoin apprendre vivre comme ça. Moi besoin de la glace pour toi, tu besoin de la glace pour moi. Quand moi get moi dans la glace, moi trouve moi-même, moi trouve mon bon défaut, moi trouve mon siphonné. Me trouve une gueule tache le mon aîné, me trouve une gueule, hein, me trouve une gueule, une tache le mon linge, quand me guette dans la glace qui me trouve ça. Alors, mon frère, c'est mon la glace. Li trouve mon erré à qui? Shaitan empêche m'en trouver. Li trouve mon erré à qui? Shaitan empêche m'en trouver. Quand ta banne qui isole je depuis Jamaat, sa banne dit mon là, je ne pas trouve je erré. Dans la même temps vous trouvez je. Dans la même temps vous trouvez je d'awa qui était. Quand hier tu gagnes la guerre avec tel jamaat, tu se coupes balle au sa jamaat là. Quand aujourd'hui tu gagnes la guerre avec tel jamaat, tu se coupes balle au sa jamaat là. Elle dit, il y a ce da'wa d'après son mood, d'après son relation. Si tu gagnes la guerre en toi, là tu connais la dizaine coupes balle pour t'appeler au tout là. Dis, mais tu gagnes la guerre avec l'autre là, alors, veut dire, chers frères et chers soeurs, ça c'est pas l'islam ça. L'islam pas repose le mood du monde. L'islam n'a pas mélange l'émotion avec l'islam. N'a pas mélangé son problème personnel avec l'islam. L'islam c'est dîn Allah. L'islam c'est dîn Allah. Dîn Allah sur l'enseignement, il est là, il est dans le Coran, il est dans la Sunna. C'est un bon erreur qui nous pouvons n'a pas faire. N'a pas prendre nos bon problème personnel. N'a pas amener la masjid. Faire avec un problème. Faire avec un problème masjid. C'est un erreur qui nous met trouver aujourd'hui. Débat, il y a un problème dans le commerce. Ni ça ne pense moi la guerre côté de ce magasin, ni ça ne pense moi la guerre côté de la case. Non, comme vous avez ni dans ma masjid qui m'a beaucoup joli là. Subhanallah. Get sa mentalité là. Mais qui vient dans ma masjid? Tu as un problème avec qui dans le magasin toi? Tu as un problème avec lui dans le business toi? Qui vient dans ma masjid qui t'a mis à la guerre avec lui? Alors, ça c'est ma manière qui m'a dit mon peut faire. La case Allah subhanahu wa ta'ala, pas fin, mais dis-moi pour sa mentalité problème là. Pour sa bonne qualité qui chose là. Alors, nous ukhouwa, mon frère et mon soeur, nous ukhouwa, li pour aider nous pour corriger nous van errer entre nous. La fraternité, numéro 5, li protège nous contre van maladie l'équerre. La fraternité, li protège nous contre van maladie l'équerre. C'est à l'époque qui nous peut vivre là. Il y a beaucoup de maladies. Il y a maladie, shubuhat, et la maladie, shahawat. Ça, c'est des grandes maladies qui égorent du monde. Maladie shubuhat, ben confusion. Veut dire, ben confusion qui amène nous pour dévier par ben fausse interprétation. C'est ce qu'on appelle shubha. Confusion. Mal comprendre. Mal expliquer. Mal interpréter. Ça, shubuhat, ça. Et confusion, veut dire, nous avons maladie shahawat, désir. Maladie, désir, l'envie, mon passion, mon envie trouve ça. Alors, et, ça va de maladie là, c'est pas de maladie l'équerre ça. C'est pas de maladie l'équerre. Alors donc, quand, al-ukhouwa en pas mi ban solution pour empêcher moi une victime de maladie l'équerre. L'arrogance, la jalousie, rancune, la haine, tout ça là, c'est solution. Al-ukhouwa al-islamiyya. Al-Ukhouwa, al-Islamiyya, qui repose sur la loi Allah, subhanahu wa ta'ala, l'enseignement Allah et l'enseignement Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, la yu'minu ahadukum, hatta yuhibba li akhihi, ma yuhibbu li nafsi. Ce iman n'a pas complète, celui qui n'est pas content pour son frère, c'est qu'il est content pour lui-même. Celui qui n'est pas content pour son frère, c'est qu'il est content pour lui-même. Alors, maladie, l'équerre, ça, jalousie, qui fait-tu un gagnement, pas de gagner?
Comment toi qui n'as ça, pas moi qui n'as ça? Comment toi qui peux faire ça, pas moi qui peux faire ça? Ça c'est pas une maladie n'équerre ça. Ça c'est pas une maladie n'équerre. Allah fin fait faveur. Et l'ON du monde. Mais qui fait? Lui peut gagner un rôle. Du monde peut prendre les comptes. Alors c'est l'arrogance. Non, moi qui dis mérite ça. Alors ça va une maladie. Ça va une maladie là. Cette solution c'est Al-Ukhuwa Al-Islamiyya. Al-Ukhuwa Al-Islamiyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui m'en fait que j'ai là, il trouve dans Bukhari, dans un autre hadith dans Bukhari. Il dit La tabaradu, wa la tahasadu, wa la tadabaru, wa kounu ibadallahi ikhwana. N'a pas détesté l'un à l'autre. Bonne frère et bonne sœur. N'a pas estendé. Après qu'il vous pétendez, prends l'engagement. Fais doa avec Allah. Oh Allah, fais-moi vivre sa qualité musulman là. Oh Allah, cultive dans moi ce qui te plaît. Aide-moi pour apprendre. Commence cultive dans nous sa bonne qualité là. Vin banjimoun qui tout le temps nous fait provision pour content nous frères, non plus pour détester nous frères. Vin banjimoun qui nous content nous frères. Tout le temps, nous, premier qui à première vue, bénéfice du doute. Non, c'est comme ça, ça. Non, mon frère, pas de mal faire. Non, mais dire, me pense bon. Au lieu qui, premier qui chose, mon fils, pense mauvais. Hein, comme ça que tu fais ça, toi. Hein, tu peux faire ça pour faire moi, dis-toi. Non. Mais dire, c'est un poison, là, ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, n'a pas les dégoûts dans tous les cœurs pour ton frère. N'a pas les dégoûts dans tous les cœurs pour ton frère. N'a pas jaloux un à l'autre. N'a pas vié les dos un à l'autre. Ça, c'est pas une maladie qu'ils ont dit perfecter nous. Qui perfecter nous diamant. Perfecter nous dans le masjid. Mais dire, tourne les dos avec nos frères. Tourne les dos avec nos frères. Et surtout, basant le ban faux jugement. Basant le ban mal compréhension. Basant le ban quelque chose qui panne confirmé. Alors, donc, nous bisons, évite, sa ban maladie là. Le prophète d'Allah peut dire, vin ban esclave d'Allah, est un ban frère. Vin ban esclave d'Allah, est un ban frère. Numéro 6, la fraternité lui protège nous contre ban mauvais pensées. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 49, ayat 12, ban ayat qui est familier avec ça, je t'entendais beaucoup, je pétane lila comme un rappel, alors nous papo rentre en détail, Allah peut adresse à ban kina iman, la surah hujrat, qui ban ulama il appelle les suratul akhlaq aussi, suratul akhlaq, alors, ya ayyuhal ladina amanu ban kina iman, ijtanibu, get ki mouk yalla servi, get ki mouk yalla subhanahu wa ta'ala servi, Ijtanibou veut dire reste loin, n'a pas pense pour coster, pas veut dire pas faire. Il y a une différence entre pas faire ça. Il y a une différence entre pas faire ça. Allah veut dire n'a pas pense pour coster même. Ijtanibou kathiran, reste beaucoup loin, évite beaucoup minavan, bonne supposition. Inna ba'da dhanni ithm. Certaines suppositions, certains doutes, c'est péché. Un frère et ma soeur, je t'ai un bon témoin. Je te connais. Pas dire jamais une arrivée. Combien de suppositions? Une crasse, mon diamant. Une crasse, mon travail. Grand travail. Une simple supposition. Fin comme un bateau dans la roue progrès ou mat. Une supposition. Ben simple supposition, il crase ben la case, il détruit ben menace, il détruit ben fraternité. Alors, reste loin. Tu peux trouver, tu peux témoigner, mais tu continues. Tu pas prendre précaution contre sa maladie là. Tu encore fais doute même. Tu encore vivre dans supposition même. Tu encore réagir à nos suppositions. Non, bizarre arrêter une fois pour toutes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, reste loin de ben supposition. Voilà, tajassassou, n'a pas espionné. Voilà, yartab, ba'dukum ba'da. Et qui, je n'ai pas fait la médisance l'un à l'autre. Et dire, n'a pas cause des autres frères. Dans son absence, ce qu'il n'est pas si content, entendez. Dans son présence, n'a pas fait ribat l'un à l'autre. Ayuhibbu ahadukum, an yakula lahma akhihi maitan. Est-ce qu'il n'est pas besoin de si content pour l'immense? La chair de son frère mort, fakarih tomo, certainement, je t'ena. Veut dire, je dégoûte ça. Je t'ena dégoût pour ça. Wattakullah.
paix à Allah, inna Allah tawabur rahim, certainement Allah, lit celui qui les pardonner, les compte accepter repentance et accepter taouba. Et il y en a beaucoup pitié. Numéro 7, la fraternité les protège nous contre bonne mauvaise action. La fraternité les protège nous contre bonne mauvaise action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: "Man satara 'awrata akhihi al-muslim, satara Allah 'awratahu yawm al-qiyamah." Celui qui cache ce défaut son frère, Allah pour cacher ce défaut le jour du Qiyamah. "Wa man kashafa 'awrata akhihi al-muslim," et celui qui dévoile défaut son frère musulman, "kashafa Allah 'awratahu," Allah pour dévoile ce défaut, "hatta yafdahu biha fi baytihi," jusqu'à qui Allah pour déshonorer pense à l'intérieur de sous la case. Hadith d'Ibn Majah. Donc, mon frère et ma soeur, la fraternité, les formes partie de la fraternité, l'importance, vivre comme mon frère, cacher des fautes aux frères, et l'indifférence entre péché, et l'indifférence entre défaut, avec l'égarement, c'est même qui, ben là n'a pas fait la différence. Je te considère légalement pareil comme un PC. PC en Jimon cachette li. PC en Jimon n'a pas amené l'omimbar. PC en Jimon n'est pas permissible toi amène PC en Jimon l'omimbar. Mais légalement en Jimon, légalement en Jimon, et surtout quand le public l'est exposé à légalement d'en Jimon, un bid'a qui peut être propagé, une parole coufre qui peut être propagée, une parole shirk qui peut être propagée. Ça, les parents doivent cacher de PC ça. Ça, les parents doivent cacher de PC surtout quand ils invitent vers ça. Ça, ils ont dénoncé. Ça, ils ont mis Jimon en garde. Ils ont averti Jimon. Mais en Jimon, les finis d'un PC en tant qu'un humain, l'une coquin, l'une fait un zina, l'une fait une action qui veut dire pas correct, une désobéissance. Qu'Allah fin cachet li, n'a pas prend ça, n'a pas vu mettre ça au mimbar. Ça, appelle cachet des photos frères, cachet des photos sœurs, n'a pas prend des photos frères, n'a pas prend des photos sœurs, n'a pas publié li, qu'il y soit en écrit, qu'il y soit le réseau social, qu'il y soit, hein, dans, de bouche à l'oreille, hein, veut dire, tu prends un djimoun, veut dire, tu causes dans l'oreille djimoun, un dialogue. Non, mon frère et ma sœur. Mais dire la fraternité, les vœux qui, et ça les difficile ça, mon frère et ma sœur, les difficile ça surtout, et nous dire nous, mon frère, nous, ma sœur, faire bien attention, n'a pas laissé nous affecter par ban la zotte maladie, n'a pas laissé nous affecter par ban la zotte maladie, laisse ban la pose de responsabilité devant Allah, je t'ai envie de mettre nous des fodéo, je t'ai envie de mettre nous PCDO, laisse je te prendre cette responsabilité devant Allah, je t'ai envie de mettre PC n'importe qui s'en là, qui dirigeant, qui s'en là, déo, laisse je te prendre cette responsabilité. Ça, ou dîne, ça cause est où? Qui ou peut dire moi dénonce les rois? Pas maudine ça. Pas maudine, ça maudine enseignement pas dénoncé. Maudine enseignement pas dénoncé. Ça maudine, ça mouakida ça. Cachette ce défaut. Ça, c'est l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si on trouvait ça ou dîne, si on trouvait qui vous gagne droit faire li, mais faire li où, mais pas, veut dire, pas vin dire, mais nous bizarre faire. Non, c'est, bon frère et bonne sœur, il est important faire différence entre l'égarement avec péché. Il y en a beaucoup du monde, parfois, quand il réfite, si Banla peut attaquer, alors lui qui lui fait, il connaît un défaut de haine parmi Banla ou bien sa groupe là. Alors, s'il y a un péché, faire attention. Faire attention. Retenir à toi. Retenir à toi la langue, retenir à toi la main. S'il y a un légalement qui te n'a prévu, dénonce légalement là. Un hadith, un ayat Coran qui peut montrer qui, c'est ça légalement là. C'est un légalement, c'est tout. Mais, n'a pas tiré péché du monde, mettant en public. N'a pas tiré PC du monde parce que ça, les gâtes fraternité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man radda an irdi akhihi, celui qui défend le nez à son frère, celui qui défend le nez à son frère, radda Allahu an wajhihi an nar, Allah, pour défendre son visage, son figure, contre l'enfer, yawm al qiyamah, le jour du qiyamah. Allah, pour défendre le nez, Allah pour défendre figure sa djimoun là contre l'enfer le jour du Qiyam. Est-ce qu'il y en a exception là-dedans? Est-ce qu'il y a accepté ban dirigeant? Est-ce qu'il y a accepté ban dirigeant? Ban frère et ban sœur. Numéro 8.
La fraternité, li aide nous pour accomplir nos bons devoirs envers les autres musulmans. Alors demain, Allah peut nous permettre nous prenons une plateforme, prenons une masjid. Sa masjid là, et pas pour gagner droit zis, veut dire une place que nous propose nous la tête pour faire sujda. Non, les pour biser une masjid qui veut dire les prend compte bah musulmans dans cet endroit là. Veut dire il gagne tracas, difficultés, problèmes, malheurs bah musulmans dans cet endroit là. Mais il faudrait dans sa fraternité là. Zis masjid là, il pas pour jouer sa rôle là. Si il y a une masjid, il y a beaucoup de moussolli, peine à place de la masjid, peine à fraternité entre les moussolli, ça l'objectif là pas pour atteindre. Mais dit, il faudrait une fraternité, même pour une seule saf d'imoun, même pour une aziz, 10 d'imoun dans la masjid là. Mais si c'est 10 frères musulmans, Inch'Allah, l'endroit pour trouver l'importance à 10 frères musulmans là. L'endroit pour trouver l'importance à 10 musulmans de sa haine masjid, mais qui? Je peux vivre comme ban vrai frère. Je peux vivre comme ban vrai frère. Quand nous vivons comme ban vrai frère, nous pouvons capables. Inch'Allah. Allah pour aider nous, pour faire quelque chose, pour ban les autres musulmans. Rapporté par Abu Moussa, Al-Ash'ari, lui dire, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, Inna al-mu'mina lil-mu'mini kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da, wa shabbaka asabi'ahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, le musulman, se relâchant envers un musulman, lui comme si, un bâtiment, qui chacun peut supporter son camarade. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin faire les doigts de se délamer, rentre un dans l'autre. Le fin faire les doigts se délamer, rentre un dans l'autre pour montrer, veut dire, comment ban musulmans de fraternité, les bizas consolider, les bizas solides, pareil comment ça ban brique qui tassé, entassé un dans l'autre pour tenir sa panneau là, pour tenir sa panneau là. Alors ban frère et ban sœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire l'exemple de ban mu'min, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idha ishtaka minhu udwun تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. L'exemple de ban mu'min dans cette affection un à l'autre. Mon papa ajoute explication, mais mon père trouve l'importance pour dire à ban frère. Première fois, peut-être ça a dit ça. Combien cause vous entendez la fraternité? Combien khutba vous entendez la fraternité? Est-ce qu'il y a encore une causerie pour ajouter l'eau, ce qui m'a habitué tendez après, il finit Zizdan? Zizdan tendez? Est-ce qu'il peut continuer comme ça, là? S'il peut continuer comme ça, nous peut perdre du temps. S'il peut continuer comme ça, nous peut perdre du temps. Et c'est pas ça qui nous peut envie faire. C'est pas ça, nous, l'objectif. Mon frère et ma sœur. Alors, à nous donner un petit peu plus l'attention. Attendez, à nous demander Allah, aide-nous pour réaliser ce hadith-là, dans la vie pratique. Aide-nous pour mettre en pratique ce l'enseignement du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple de man mu'min dans cette affection, un à l'autre, dans pitié, qu'ils ont gagné, un pour l'autre, et la sympathie qui est entre les autres, les pareils comme un l'écho. Quand un membre de sa l'écho là, il peut souffrir, alors entier sa l'écho là passe la nuit à cause des gars et la fièvre. Ma frère et ma soeur, laisse-moi traduire dans la pratique. Quand nous pouvons une sabane qualité du monde là, quand nous massidons pour produire sabane qualité, membre là, sabane qualité moussali là, quand il y a une maillette, pas pour bizarre, on dirait comment dire, crier dans le parler, zis li suffit, mon fils, tandir, il y a une maillette, peu importe qui l'est alliété, tout moussalli masjid présent. Tout moussalli masjid présent. Et dire, c'est sa qualité diamant là qui nous peut visionner là, avec nous masjid. C'est sa qualité fraternité là qui nous peut visionner avec nous masjid. Donc, mon frère et ma soeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Mustad Ahmad, Inna al-mu'min min ahli l'iman. Le musulman, pour ban kena iman, li kouma, la tête pour le corps, ya'lamul mu'min li ahli l'iman. Le croyant, li souffert
le croyant, les souffert pour ce qui touche ban qui est na iman, pareil comment kama ya'lamu al-jasadu lima fi ar-ra's, pareil comment les souffert quand et pareil comment la tête là lui fait mal quand un membre de sa l'écho là dit lui peut souffrir. La tête là ressentit douleur quand n'importe qui membre sa l'écho là lui peut souffrir. Bon frère et bonne sœur, ça c'est nos iman, ça c'est mais dire l'enseignement de nous dire du monde capable de dire ce qu'ils ont envie. Souffrance devant les Palestiniens, devant les musulmans faibles dans n'importe qui coin du monde. Sur place qui était ça. Ressenti souffrance maintenant. Qu'est-ce que sur place ça? Quand on peut ressentir souffrance pour les Palestiniens, qu'est-ce que sur place ça? Dans où? Dans où l'équerre? Dans où l'équerre? Est-ce qu'il dit monde bizarre trouver ça? Mais nous pas enseigner ça, nous. Ressenti souffrance palestinienne, ce qui ne fait qu'arriver là. Dans une masjid, dans Palestine. Ressenti souffrance. Ou bien, moi, vous avez une conférence de presse. Hein, ben, ça l'a fait, une conférence de presse. Hein, je te concerné avec hein, une masjid, fin d'être bombardé dans Palestine. Nous pas besoin de publier. Qui nous fait ressentir souffrance, loin de frère. Oui, nous n'en stènes. Nous n'en akrida, nous n'en stènes. Les cas différents de ce akrida, les cas différents de ce stènes. Mais seulement, pour vivre juste ce qu'il y a dans l'équerre, ça n'a cet anérir. Chaque musulman, il y a enduit la souffrance de son frère. Mais puis, il y a un qui dit, il y a un dit ça au mimbar, il y a un dit ça au magazine, il y a un dit ça au Facebook. Léala, connaît qui? Faut dire, on dit mon profile, et la photo Palestine. Léala, me dire, mon prend compte Palestine. Ça, c'est une autre manière de penser. Ça, c'est une autre qui pense comme ça. Donc, est-ce qui, ben, frère? Puis, ça, dit mon là, il levé pendant la nuit. Dans la masse tahajjud. Il cause avec Allah, peut-être. Toi qui n'as pas le pavillon palestinien de ton profile, peut-être, tu pas trouves l'importance, levé dans la nuit, moment qui te plus près avec Allah. Et pourtant, l'Ola te bégaye pour sa frère là. Qu'il n'est pas qu'il pour souffrance devant les Palestiniens. Alors dis mon capable de dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais l'enseignement de l'islam, Lila. L'enseignement de l'islam, Lila, mon frère, nous vis-à-vis de sa qualité musulmane là, qui nous sentit souffrance de nos frères, lui donne-nous l'endroit, lui en déo-nous l'endroit, lui donne-nous pays, lui en déo-nous pays, une petite chose qui est commune. Ce souffrance avec ma souffrance, c'est nous iman, parce que c'est nous iman qui fait à nous une bonne, qui fait à nous une bonne frère. Bonne frère et bonne sœur. Avant dernier point, la fraternité, c'est la base de l'unité. Ça, un point important où qu'on prend lit. Parce que si on pas ne comprend ça demain, ou même pour vivre un élément fitna dans un masjid. Celui qui pas comprend ça, demain, attendre qui est capable, ça même du monde qui peut faire fitna dans ma cité de là, ça. Qui fait? Les pas ne comprend qu'appelle l'unité. Les pas ne comprend l'eau qui fait l'unité. Alors, il range ma cité ne finit rangée. Ah, mon donne casse, ah, mon donne coup de main, hein. Partout, mon aller aux autres. Mon envie, un tel fait une khutba. Vous êtes satisfait ce désir? Non. Un tel pas qualifié pour faire khutba dans ma cité de là. Ah, si moi tu connais, ça même va dans d'autres cas. Si moi tu connais. Fitna. Il n'est pas ne comprend. Parce qu'il fait à l'île, qu'il ne comprend, lui. Qu'il ne comprend. Mais c'est là pour tout le monde, ça. Mais c'est la casa là pour tout le monde. Amène n'importe qui, celle-là. Mon envie. Moi, mon envie, celle-là. Moi, mon envie, l'autre plat. Non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Donc, les mêmes qui l'a pour fitna l'a pour ouvert. Mais si on comprend qu'il y a l'unité, n'est pas fait n'importe. L'unité pas veut dire joindre l'écho du monde, joindre plusieurs groupes du monde. L'unité, tu es capable un petit groupe du monde, un petit guide du monde. Mais si tu fais faire l'unité, c'est que Allah fait ordonner, ça l'unité là, les peuples effectifs. Et avec ça l'unité là, tu peux trouver comment tu peux faire progrès, tu peux faire au moins faire progrès.
Malgré qu'il te quantité quand comparé avec les autres, les tchigites, Allah dit dans Surah 3, ayat 103, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا Cramponnez-vous tout avec la cour d'Allah. وَلَا تَفَرَّقُوا N'a pas besoin de diviser. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ Et pense Allah son ni'mat aux autres, إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً Quand je t'y banne l'ennemi, quand je rappelle quand je t'y banne l'ennemi, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah fait mettre l'affection entre je banne les cœurs. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا Ban l'ennemi, qui a été l'ennemi? Qui a été l'ennemi? Comprends bien. Ban la d'accord, pas d'accord, nous dit à nous. Jodi, nous avons divergence avec Zot, mais Zot n'a pas nous ban l'ennemi. Nous divergeons avec Zot. Nous en désaccord avec Zot. Nous pas concevoir certaines petites choses, comment Zot concevoir? Nous pas comprendre certaines petites choses, comment Zot peut comprendre, ou bien comment Zot peut expliquer. Mais jamais nous pas considérer Zot comme nous ban l'ennemi. Zot ban frère musulman. Zot ban frère musulman. Et n'a rire, et n'a mal compréhension, et n'a mal interprétation. Si je t'en dis pas nous comme je t'en l'ennemi, ça en jette avec Allah. Ça en jette avec Allah. Parce qu'il nous n'a encore croit qu'il y a iman dans toutes les cœurs. Nous n'a encore croit qu'il y a iman dans toutes les cœurs. Nous n'a encore croit qu'il y a ban musulman, mais seulement, veut dire, fin et n'a déviation. Fin et n'a déviation. Finena déviation, basant le plusieurs ban facteurs. Alors Allah peut ordonner nous pour nous cramponner nous avec l'accord d'Allah, c'est Al-Kitab wa Sunna, ala mafhum al-Salaf al-Salih. Le Coran et la Sunna, le compréhension, ban Sahaba, et Allah peut dire, qui ban dimoun qui Allah fin faire zut l'équerre, zwen, fin mettre l'affection, en ban dimoun qui tient à l'ennemi, qui a dit l'ennemi? Pendant 120 bananes, fin reste en guerre avec Zorm. Pendant 120 bananes, Aus et Khazraj, fin la guerre pendant 120 bananes. Ça l'ennemi était là. Allah fin enlève lui. Allah fin fait zut vin ban frère. Quelle qualité frère? Quand on peut vin Madina, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Saken prend un parmi ban habitant Makkah comme son frère. Quand prends-le comme son frère, qui veut dire? Hein, ton mon frère? Hein? Non. Amène-le côté toi. Divise toute la case en deux, donne-lui la moitié, prends la moitié. Jusqu'à Ena, il dit, qui dit? Moi, j'ai quatre madame. Ça, c'est qui dit? Tu connais, ça n'a pas trop content, il prend-le pour toi. Pas ça qu'il dit. Qui dit? Choisir lesquels qui plient dans toi, prends-le. Sa qualité fraternité là. Ça qui peut causer ici là. Et dernier point, numéro 10, la fraternité de God nous éveiller contre nous ban l'ennemi. La fraternité de God nous éveiller contre nous ban l'ennemi. Nous n'a pas pu aller en masjid pour qu'il nous vienne l'ennemi entre nous. Nous pouvons aller en masjid pour qu'il nous masjid fait à nous venir une bonne qualité frère qui nous fraternité. Li éveille nous contre nous ban vrai l'ennemi. Nous oukoua qui nous masjid pour permettre nous pour bâtir ça pour éveiller nous contre nous ban vrai l'ennemi ban qui peut vraiment travailler pour arracher nos iman et nous dire Allah peut dire dans Surah 8 ayat 73 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ban qui fin commettre kufr. Je te ban allié, je te ban supporter, je te ban camarade, l'un à l'autre. Mais dire ça ban là, nous ban l'ennemi. Ban qui fin commettre coffre, alors ça ban là, je te allié un à l'autre, je te supporter un à l'autre. Illa taf'alouhu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Si je te ban musulman, je te n'a pas fait ça, je te n'a pas vin ban allié un à l'autre. Je n'ai pas vu une banalité un à l'autre. Pour une fitna et grand façade, corruption dans la terre. Bon frère et bonne sœur. Guette aujourd'hui nous montrer où. Nous terminons là. Nous quittons sa réflexion là.
Qui Allah peut dire? Allah peut dire nous avons un vrai adversaire, c'est ban qui n'a kufr dans eux. C'est ban qui n'a shirk dans eux. Ban kuffar, ban mushrik. Ban musulman qui peut dire que le tawhid. Ban musulman qui peut dire que le tawhid. Est-ce qu'ils ont un droit et une l'indemnité envers ce bon frère qui peut dire ce que le tawhid et qui était tu as l'indemnité envers ton bon frère qui peut dire le tawhid à cause de certaines divergences, mais et tu peux supporter ban qui avec connaissance tu connais et un shirk dans cette aqida. Tu peux supporter ban là contre ton bon frère qui le tawhid. Ça, c'est, je vous dis, tu peux gagner un trac à les rois, il y a un pays, il y a un pays, une population. Je vous dis, toi, tu es un seul masjid, tu n'es pas capable de dire comment dire ça. Tu n'es pas capable de dire ça. Tu peux gagner un trac à les rois qui comptent pour rendre devant Allah. Mon frère, ma soeur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde nous la compréhension. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances. Et accorde-nous la compréhension, il guide-nous vers le chemin droit. Allah protège-nous contre le shaytan. Allahumma anfa'na bima allamtana. Wa Allah fait-nous profiter avec ce qui te l'enseigne. Wa allamna bima yanfa'una. Enseigne-nous ce qui est profitable pour nous. Wa Allah protège-nous contre mal compréhension dans te dîner. Wa Allah préserve-nous l'iman, préserve-nous le tawhid, préserve-nous le sunnah, la compréhension man salaf sa ummatla. Wallah retourne tout man musulman le chemin droit. Wallah accorde sa ummat la victoire. L'eau sur man vrai l'ennemi. Wallah retourne sa ummat la sur le nerf qu'il est mérité. Wallah toi qui n'as pouvoir l'eau de l'univers. Wallah sa ban dominé là. Sa ban yahou dominé là. Wallah tu n'as pouvoir l'eau autres. Wallah aide nous man frère, aide nous man soeur. Dans tout coin du monde qui peut être persécuté, par le ban l'ennemi, voilà ban qui peut la manger, donne-nous de manger. Voilà ban qui peut dans la case, donne-nous dans la case pour rester. Voilà, gagne pitié de nos bons enfants, gagne pitié de nos bonnes madames, gagne pitié de nos bonnes faibles, voilà guéris de nos bonnes malades, voilà libérer de nos bonnes prisonniers. Voilà, fais-nous trouver de pouvoir manifester. L'eau nous bat l'ennemi. Contre ce ban complot envers sa ummat là. Allah récompense pour toute l'attention. Jazakum Allahu khayra. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.